Bonjour. Je vous partage ma réflexion du long texte biblique de Marc, chapitre 14, 1 à 15 et à 47. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Dès le début du texte, elle est surprenante, cette célébration des rameaux qui commence dans les acclamations joyeuses. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive Jésus, vive notre roi. Et qui se termine par un appel au meurtre. Crucifie-le! Crucifie-le! Depuis que je suis un enfant, j'entends cette histoire. En vieillissant, je commence un peu et un peu à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ne croyons pas qu'il y ait, comme dans les mauvais westerns, les bons d'un côté qui acclament l'entrée de Jésus à Jérusalem, et de l'autre côté, des méchants qui réclament sa mort. La foule, souvent, est versatile, et le cœur de l'homme et de la femme partagé. Je ne sais pas, mais c'est peut-être les mêmes qui acclament joyeusement le Christ et qui, quelques heures plus tard, réclament sa mort. Il y a là une image saisissante de réalité, du cœur de l'homme et de la femme. Est-ce que ça ressemble un peu comment nous vivons dans notre propre cœur? Je pense que nous aussi, nous pouvons acclamer le Christ. Nous chantons ses louanges à la célébration religieuse. Nous affirmons notre fierté d'être chrétien, catholique. Et pourtant, nous le savons bien, nous sommes aussi capables de le renier, de l'oublier, de le mépriser. Lorsque le visage du Christ prend la figure concrète de l'homme ou de la femme bafoué, humilié, rejeté, écrasé par les rouages aveugles de notre système économique, de mon propre comportement, vous savez, souvent, tout cela commence dans notre propre famille. Nous acceptons de nous laisser manipuler par la télévision, aux mains des puissances d'argent. Nous détournons notre regard de celui qui souffre en silence parce qu'il ne fait pas la une du journal télévisé. Que ce soit près de nous, la misère qui augmente, les fins de mois difficiles, les impayés, l'angoisse du lendemain, les médicaments, les soins trop chers, la crainte du chômage, la peur pour l'avenir des enfants. Que ce soit au loin, tous ces enfants qui meurent par millions à cause de ces bandits qui spéculent sur le cours des matières premières, qui s'enrichissent en plaçant leur argent injustement gagné dans les paradis fiscaux. Et ça n'a plus d'allure. Je me demande vraiment si on est capable de regarder vers le Christ qui souffre sur la croix. Ces enfants qui meurent, ces mamans qui pleurent,
à cause de l'injustice, à cause des guerres. C'est bien Jésus qui continue sa passion, qui continue à souffrir à travers ses frères, ses sœurs. Ce que vous faites au plus petit des miens, dit Jésus, c'est à moi que vous le faites. J'espère qu'on essaie de soulager les souffrances du Christ dans notre monde, comme Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, comme Véronique qui, selon la tradition, a essuyé avec un linge son visage couvert de poussière, de sueur et de sang. Bien souvent, nous nous sentons démunis, presque impuissants devant la souffrance. Est-ce que je prie tous ceux qui sont crucifiés, d'une manière ou d'une autre, l'épreuve, la maladie, la faiblesse, la brutalité, la solitude et l'injustice, tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Comme chrétien, est-ce que je pense à nos malades, à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur? La guerre inutile. Et je ne sais que chacun de nous a sa part de souffrance, de blessure. Si on pouvait comprendre, croire que le Christ est proche de nous sur nos chemins de croix, il a partagé nos souffrances, il nous comprend et il nous aime. Seigneur Jésus, tu connais nos faiblesses, mais aussi notre bonne volonté. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Ta passion, ô Christ, continue encore aujourd'hui sous nos yeux. On le voit tous les jours. Si on n'est pas aveugle, donne-moi le courage de te suivre avec les textes bibliques qui racontent ta passion sur le chemin de ta croix et de ta résurrection. Bonne réflexion, bonne route sur ce chemin de croix. Bonne journée à toi. Thank you.